Salut tout le monde, il pleut, bienvenue dans ma ville. Je vous emmène avec moi faire mes courses à la boutique Vegan. De la place. Courses sont faites, donc je vais vite rentrer chez moi, vous déballer tout ça devant ma caméra. Et c'est parti, j'ai trouvé plein de choses, de nouvelles petites choses, de nouvelles marques. Ah, il y a du bruit. Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Donc je reviens de mes petites courses avec tout ça. Alors, il y a des choses que je vous avais déjà présentées et d'autres que je ne connaissais pas, donc je vais tester. Et des marques aussi où ce sont les mêmes produits, mais les marques sont différentes, donc les goûts peuvent changer et tout ça. Donc. Alors, il y a la Veganise que j'ai déjà testée depuis longtemps, que je valide plus depuis un moment. Ça, il n'y a rien à dire. Et j'ai trouvé de chez Sojami, voilà, donc c'est une mayonnaise aussi. Donc qui apparemment serait extrêmement bonne, délicieuse d'après les dires de la vendeuse de la boutique. Donc à tester. J'ai trouvé aussi donc du cream cheese ail et fines herbes dont je vous avais parlé par rapport à la marque du Nature qui est juste délicieux. Donc là c'est façon ail et fines herbes et apparemment ce serait du boursin, exactement la même chose, on ne sentirait pas la différence. Donc ça, c'est voilà, à tester. J'ai repris des steaks de millet de chez Vegaya. Ils sont vraiment excellents. Vraiment, vraiment. Ça, c'est valeur sûre. J'étais obligée d'en reprendre.
En fromage râpé, je prenais le Nature et Moi, sauf qu'ils ne l'ont pas à la boutique vegan. Alors, je vais tester le Pizza Schmelz. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, c'est garniture végétale pour pizza, c'est du fromage râpé. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Je ne connais pas, j'ai testé ça très vite. Des tranches de cheddar aussi de chez Cheese 100% Dairy Free en tranches. Donc je prenais de chez Violaf. Donc là je vais comparer avec la même marque pour la crème cheese. Va-t-elle devenir ma nouvelle marque préférée? Encore de chez Cheese 100% Dairy Free. Donc j'ai pris celui avec des cranberry. Alors, j'avais vu que Violife en faisait à la myrtille et à la cranberry. Je n'ai pas pu les trouver. Mais voilà. Là, ils l'ont. Il n'y a pas besoin d'aller sur internet, en boutique. Je vais goûter ça. J'ai hâte, hâte, hâte. Ensuite, comme d'habitude, du jambon fumé en tranches. Dans un petit croque-monsieur. C'est pas mal. J'ai repris de la crème cheese au lait de noix de cajou parce qu'elle est vraiment une tuerie. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. On a l'impression de manger du fromage frais, mais avec le sel en moins qu'il y aurait dans du samouré ou autre chose. Enfin, il est vraiment délicieux. Et enfin, donc je connaissais la marque Tofurky, mais je n'avais jamais utilisé cette façon. Donc ce sont des émincés. Donc ça peut être sympa dans une pita ou dans un burger. À voir. Pas un burger, une faritas. Et ensuite, donc ce sont comme des beignets de poisson, des poissons panés. Je n'ai encore jamais testé de poisson pané, enfin de substitut de poisson. Donc on va bien voir. Là, ça vient d'Angleterre. Donc c'est sans OGM, sans couleur artificielle, donc sans poisson. C'est vegan et végétarien. Voilà, il y a... Dedans, c'est simple, c'est eau, chapelure, huile végétale, farine de blé, farine de konjac, amidon de tapioca, amidon de blé, sel, arôme naturel, sucre, fibre de blé, carrageenane, extrait de levure. Et voilà. Voilà, voilà. On va tester tout ça. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour mes petites courses aujourd'hui, de ce qui me manquait, de ce que je voulais comparer, découvrir, échanger un peu avec les vendeurs. Il y a encore plein de choses que je vais découvrir et qui vont arriver dans cette boutique, donc je vais continuer à actualiser, à faire des vidéos sur cet endroit qui est juste mon paradis sur Terre maintenant. Et puis bah voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous inscrire à ma page et je vous dis à la prochaine.